Bonjour les amis de You Trading. Donc euh, on se revoit euh, tous les dimanches comme d'habitude euh, pour voir un peu euh, ce qu'ont fait euh, les indices euh, la semaine dernière et puis essayer de, de, de trouver quelques quelques small caps qui sont intéressantes. Euh, bon je vous rappelle moi je m'occupe en fait que des small caps. Je suis plutôt un day trader. Euh, donc small caps pourquoi Parce que ce sont des des actions très volatiles mais je vous rappelle qu'il est très volatile, volatile en hausse, mais volatile en baisse. Donc, c'est des actions très, très dangereuses. Il faut les surveiller comme lui sur le feu. Voilà, donc on va commencer par euh, l'indice directeur pour les small caps, qui quand même est le Nasdaq. Hein. Le, on ne va pas se cacher, même si on trade les small caps euh, sur Euronext ou, 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 ou en Europe, euh, c'est quand même le Nasdaq qui... Qui, qui décide. On a vu ça cette semaine. Hein. Dès que le Nasdaq commençait à décaler un peu à la baisse, euh, le CAC euh, ne branchait pas trop, mais par contre, il euh, y avait une, une sangria sur, euh, sur les Smalls. Donc, euh, euh, si on voulait avoir encore une preuve, c'est vraiment le Nasdaq qui, qui, euh, qui dirige les Smalls. Donc voilà, le Nasdaq, qu'est-ce qui s'est passé Donc on avait euh, la zone de, la zone de, de, de résistance des euh, 12 425 points euh, qu'on a cassé euh, le, le 2 novembre. Euh, on a fait une, une, belle, une belle montée, on est arrivé sur un point haut et là, euh, ben depuis, euh, depuis 15 jours, depuis le 16 février, c'est vraiment la, la, la dégringolade. La dégringolade, ça fait même peur. Hein. Euh, quand on voit ça sur, sur le Nasdaq Cash, euh, on voit euh, pas mal de gaps, pas mal de quelques bougies euh, vertes, etc. Mais si on regarde sur le futur, c'est-à-dire que la cotation 24-24, on voit vraiment que c'est presque descendu en ligne droite, à part 2-3 euh, jours ici où, où, où on a rebondi, mais c'est quand même descendu en ligne droite. Et on est venu rechercher la résistance qui est devenue support. Hein. Donc on le voit bien sur les futurs un impact le 3 septembre, un impact le 6 novembre, le, le support, la résistance travaillée euh, début décembre et là on est revenu dessus le 4 mars et on est revenu méché vendredi dernier. donc voilà euh, Sur le cash qu'est-ce que ça dit euh, sur les derniers plus hauts, on a fait 10% de correction. Donc 10% de correction, qu'est-ce que c'est 10% de correction, c'est une consolidation, ce qui veut dire que le mouvement haussier n'est pas remis en cause. Donc je vous rappelle, hein, 10% c'est une consolidation, 20% c'est une correction, et après on est en marché baissier. Euh, comme la, la technique est très bien faite, on voit que sur les derniers plus hauts, si on fait 10%, on revient sur cette résistance, 10,19% exactement, et si on fait 11,83%, on revient sur un dernier point bas de, du, du mois de novembre qui pourrait. Euh, euh, être un, un autre, euh, une autre résistance en cas de cassure de, 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 de cette résistance-ci. Mais bon, avant d'arriver là, on a quand même la M200 à traverser ici. M200 délit euh, c'est pas n'importe quoi. Donc, s'il n'y a pas de catalyseur, si on n'a pas de mauvaises nouvelles, si, euh, si on reste un peu comme ça, euh, ce sera vraiment compliqué d'aller chercher en, euh, aussi bas. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, on attend le signal de cassure franche des 12 400, dirait, 12 400 points en clôture, pour l'instant méché deux fois. Euh, le S&P 500, euh, le S&P 500, ben c'est c'est un peu euh, c'est un peu pareil, c'est pas très beau euh, depuis euh, depuis le, 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 le 15 février, 15-16 février. On est toujours dans le canal haussier, toujours avec la M50 euh, en support. On est, on est venu mécher ce canal euh, ce canal haussier et on a récupéré, on a tout récupéré vendredi dernier. Donc pour l'instant pas de panique. Le CAC, en attendant, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Le CAC, paradoxalement, euh, est beaucoup plus haussier que le, que le Nasdaq. Euh, c'est assez bizarre parce que normalement, c'est le Nasdaq qui surperforme le, le CAC. Mais là, euh, si on compare la même période du 15 février, euh, alors qu'on est perdu 10% sur euh, 10% sur le sur le, le Nasdaq ici, on voit, si on regarde le, le, combien on a fait depuis la dernière cassure, euh, on, est, on est presque flat, on a fait 1,28%. Donc euh, on voit que le, le, le CAC est quand même, a quand même bien surperformé le, le, le Nasdaq. Euh, bah, toujours pareil, on, avait, on est dans un canal haussier qui est assez large avec deux points de contact en bas euh, le 22 décembre et le 3 février, point de contact en haut mercredi dernier euh, le 3 mars, où on a marqué un, un nouveau plus haut annuel, et euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est même un nouveau plus haut depuis, euh, depuis le Covid en fait, et on attend toujours euh, pour, pour fermer ce gap-là, euh, euh, du covid et retrouver les plus hauts à, à 6100 mais bon euh, on voit vraiment que là euh, ça commence à, à mouliner à mouliner donc euh, on avait euh, ce support qu'on est venu travailler ici casser. on est venu recasser ici Là vendredi on l'a cassé mais comme la dernière fois le 26 février on est venu rechercher la m20 donc on a vraiment la m20 en soutien donc on a euh, le support la M20 en soutien, les bols qui se resserrent, le, le, la cassure du dernier plus haut du 8 janvier qui est toujours euh, en soutien aussi. On va peut-être faire un pullback dessus. Donc le, le CAC est nettement plus haussier et nettement plus positif que, que le Nasdaq. Donc à surveiller quand même la cassure du M20, de la M20, la cassure de, de, de ce support. Euh, et voilà, que dure de plus. Donc euh, on cherchait... On... On pensait être parti en, en consolidation. Finalement, on avait juste perdu euh, euh, 5% depuis le, le dernier plus haut. 5,52% depuis le dernier plus haut. Et après, on est reparti euh, presque en ligne droite. On a cassé. Euh, là, on est revenu chercher le gap. Donc, le, le CAC est, 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 assez bien, est assez bien orienté. Le CAC small, maintenant, ben, c'est pareil. C'est pareil. On a toujours... Euh, la, euh, un, un support qui est autre, qui, qui, un support oblique haussier avec des points de contact le 22 décembre, le 27 janvier et là on a cassé le support, on a cassé le support, on est en train de prendre la bol, les bols sont en train de, de s'élargir, faudra faire attention, euh, trois bougies rouges avec un gap, mh, faudra voir. Si, euh, je vous rappelle que là, euh, si jamais on a un, un bébé abandonné, euh, le euh, si lundi on a une, une bougie verte en ouvrant gap et qu'on euh, qu ne euh, qu vient pas le fermer, euh, ça peut être une figure de retournement. Donc trois bougies rouges, normalement après trois bougies rouges, on a une bougie verte à suivre de ça de très près demain lundi. Voilà, donc euh, c'était 10 de, de Pepitor. Euh, J'espère que vous avez aimé euh, cette petite présentation euh, des indices. Et euh, on se revoit rapidement euh, pour ma petite liste de, de, de small cap que, que je vous propose. Merci, au revoir euh, aux amis de You Trading.